Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler des box. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo concernant les box, tout simplement parce que elles sont déjà chez mes parents, j'ai pas pu aller les chercher. Là, j'ai pu les récupérer. Il y aura pas de vidéo sur la box du mois de février. Du coup, parce que ça fait longtemps qu'elle est sortie, il y a déjà énormément de revues sur internet, donc je vous la présente pas, je vais vous la montrer quand même. Donc voilà, le thème, je sais pas trop, en fait j'ai pas ouvert encore, ça, je l'ouvrirai tout à l'heure. Mais en gros, voilà la boîte du mois de février, donc elle était assez belle. Donc je vous la présenterai pas parce que, ben voilà, encore une fois, il y a énormément de choses, mais on va parler aujourd'hui de la box du coup du mois de... quel mois là ? On est en avril, donc mars. Donc je vais vous parler de la box du mois de mars que j'ai avec moi, donc on va la découvrir ensemble. Donc tout d'abord, chose que j'ai eu un code promo pour HelloFresh. Voilà, encore une fois, moi je ne l'utilise pas, donc comme d'habitude, je vous mettrai le code promo en description. En ce qui concerne la box, donc la box est rose. Toute simple, donc voilà, et on va découvrir ensemble. Donc voilà comment elle se présente. Donc j'espère que c'est bien ça, hein. Oui je pense. Donc avec le petit fascicule avec des petits macarons, donc je n'ouvre pas pour me garder la surprise. Et on y va, donc on a 5 trucs, c'est très vert dans la boîte, et c'est très petit, alors j'espère que ça va le faire. Donc premier truc que je vois qui prend toute la place, c'est un masque. Donc, masque visage en cellulose écologique. Nourrit, améliore l'élasticité de la peau. Donc, c'est un masque en tissu. Donc, ça, c'est parfait. En plus, je commençais un petit peu à arriver à bout de ma boîte masque comme ça. Donc, je suis très contente d'en avoir. Ensuite, oula. Ensuite, j'ai eu un vernis à ongles de la marque Nail.ink London. Donc, cette marque, elle est très, très bien. Franchement, à chaque fois, il n'y a pas de souci. C'est un, je sais pas, bleu-vert, je dirais. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous voyez comme couleur. Je dirais plutôt un bleu-vert. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, bleu-vert. Ensuite, nous avons un Deep Sleep Pillow Spray. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je regarderai dans le petit fascicule, mais... Ah, Pillow Spray, c'est pas Pillow en anglais, c'est pas oreiller ou un truc comme ça. C'est pas un sheet pour mettre sur l'oreiller. Je pense que si. Mais je regarderai du coup dans le fascicule tout à l'heure. Pour le moment, on découvre. Ensuite, on a un exfoliant voilà, à lèvres, gommage perfecteur lèvres au sucre rose. Ça, j'en utilise rarement, mais ça m'arrive quand même parce que j'ai les lèvres très très mal hydratées et je me tire les peaux et tout, c'est un peu un enfer. Donc ça va être très très bien. Et le dernier que j'ai gardé pour la fin, c'est un mascara volumisant enrichi à l'huile d'amande et de camélia. La boîte est trop belle, la boîte est vraiment belle. Je vais l'ouvrir parce que vous savez que moi j'aime bien renifler des trucs comme ça, savoir. Ils font de plus en plus des packaging en tube mou comme ça. Je trouve ça vraiment bien, j'aime bien ce format. Ça sent super bon. Oh là là, ça sent trop bon. La brosse, c'est pas trop mal. Faudra donc tester ça. Donc voilà pour cette box. Donc on va lire maintenant un petit peu plus en détail les informations. Et je vais vous donner, comme d'habitude, les prix. Alors nous avons ce produit. Donc c'est bien un gommage au sucre pour les lèvres. C'est un produit en full size. Et ça coûte 64 euros. Comme d'habitude, je crois que c'est cette marque à chaque fois où je critique vivement leurs prix qui sont juste excessivement abusifs. Mais bon, après, ils marchent bien. Je suis toujours très satisfaite de leurs produits. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est vrai que moi-même, j'achèterais pas un truc comme ça. Donc bon, ça permet de tester un produit quand même de très bonne qualité. Voilà pour le premier. Ensuite, donc, le vernis à ongles, qui est un produit full size également. Ah voilà, ils ont mis, c'est une teinte vermante claire. Effectivement, ça peut être vermante. Moi, je vois plus ça vert bleu, mais ok. Enfin voilà, un vernis assez basique à 12 euros, donc produit full size. 12 euros le vernis. Ensuite, le mascara donc de la marque Botanic Beauty. Je crois qu'on a déjà eu cette marque. Ils font des produits méga bio et des trucs comme ça. Ben là, c'est marqué. Pas testé sur les animaux, vegan, pas de minéral ou de sulfate, pas de synthétique, trucs synthétiques ou alcool, et pas de problème, pas de parabènes. De Falfat, ouais, c'est des choses qui sont assez nature, assez bonnes pour l'environnement et tout. Donc c'est un mascara nourrissant, comme je l'ai dit, en full size également, au prix de 17 euros. Un peu cher pour le prix, mais bon. Donc effectivement, ça c'était bien un spray pour oreiller. Mon anglais est pas trop dégueulasse, visiblement. Donc c'est un produit en format de voyage.
Donc là, ils disent passer une bonne nuit de sommeil grâce à ce spray pour oreiller Deep Sleep avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont la lavande, la camomille et le vétiver. Il a été prouvé qu'il vous aide à vous endormir plus rapidement et à vous réveiller plus fraîche. Donc produit en format voyage au prix de 6,70€. Ouais, donc c'est reconnu hein, la lavande pour que c'est des bienfaits apaisants, etc. Je sais pas trop là. Ouais, si on la sent quand même pas mal la lavande. Donc à tester. Et ensuite, donc le masque de la marque Rare Paris. Et c'est un produit en full size, donc bien entendu, au prix de 4,95€. Voilà pour cette box. Sur cette box, je vais tout garder. Je suis un peu moins fan sur le vernis, mais bon. Pourquoi pas essayer cette couleur, j'en ai pas. Sinon tout le reste, je vais l'utiliser. Plutôt bonne surprise. Je m'attendais, enfin voilà, quand j'ai soulevé la boîte, il y avait écrit sur le paquet 1 kg. Alors d'habitude c'est des colis de 2 kg environ. Là 1 kg, j'ai ouvert le truc, c'était que des produits tout petits. Je me suis dit, oulala, ça va pas me plaire. Bon bah finalement, si ça va. Donc voilà pour la box du mois de mars du coup. Dites-moi en commentaire si vous êtes abonné à Glossybox. Si ce n'est pas le cas, je vous mets comme d'habitude en barre d'infos toutes les informations, donc le lien du site, mon code de parrainage qui vous permet d'avoir moins 20% quel que soit l'abonnement que vous prenez, et ainsi que le code promo du mois pour avoir la box du mois ou celle du mois d'après, je ne sais jamais, à un prix réduit. Là tout à l'heure j'ai fait le test, on peut avoir la box du mois d'avril pour 10€. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc si vous avez déjà testé cette marque, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le concept, si vous aimez les produits. Enfin voilà, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo, on va pas en débattre davantage. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, donc comme je vous l'ai dit, je vous attends en commentaire pour tout ce que vous voulez. Et puis écoutez, bah, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.